voulu le tourner en province, le film, déjà. Et je voulais une ville d'un peu de taille moyenne, parce que je trouve que ça se prêtait bien à l'histoire. J'ai vu plusieurs villes, j'en avais plusieurs en tête, dont Angoulême. Passer d'un décor à l'autre, les lieux, les décors sont pas, rien n'est loin. Et d'un seul coup, ça met une bonne ambiance, ça met des beaux moments de vie dans un tournage. Il y avait plein de petits rôles qui ont été castés sur place dans la région. La chef maquilleuse, elle est d'Angoulême, la directrice de casting, et puis il y a sûrement des machinots, des électros, des renforts machinaux électro qui étaient du coin. La cantine, je crois aussi, elle était de là-bas. C'est toujours un bonheur de tourner en province parce que déjà l'équipe est soudée, tout le monde est ensemble, il y a toujours un accueil, les gens sont toujours agréables, ils sont toujours coopératifs, c'est facile en fait, c'est beaucoup plus facile que de tourner à Paris.